Les 25 ans du club de l'Axel Gap ont été fêtés en ce samedi 15 octobre à l'Alp Arena. Les équipes de TV16 vous proposent de revivre quelques-uns des passages de ce gala qui aura émerveillé les plus grands comme les plus petits. Retour en images. Mesdames et messieurs, bienvenue à la patinoire de Gap pour célébrer ensemble les 25 ans du club Axel Gap. Thank you.
bonsoir. Je m'appelle Pierre Le Bouquet, j'ai 29 ans et je patine depuis l'âge de 8 ans. Bonsoir, je m'appelle Cilié Dostreis, j'ai 24 ans et je patine aussi depuis l'âge de 8 ans. On a tous les deux fait de la compétition avant de faire du spectacle, tous les deux dans des disciplines différentes, donc Cilia en couple artistique et moi en danse sur glace. Et après la fin de notre carrière de compétition, on a décidé de se mettre en couple pour faire des spectacles et donc devenir patineur professionnel. Pourquoi EGAP ? EGAP a été très gentil de nous accueillir, nous proposer de faire ce gala, de mettre en scène des tout nouveaux numéros qu'on a fait ici pour la première fois et on a eu une très bonne expérience. Vous êtes donc satisfait du résultat ce soir ? Ouais, c'était un bon public, c'était une bonne ambiance avec le club, tout s'est très bien passé, on est très content d'être venu. À Paris, au Lido de Paris sur les Champs-Élysées. Dans le cabaret. On s'y produit toutes les semaines. Et après, on fait d'autres tournées internationales, à droite, à gauche. Il faut consulter nos agendas à ce moment-là. Rendez-vous est pris alors. Avec plaisir. 25 ans, ça se fête. Et les filles arrivaient à un moment où il leur manquait un petit quelque chose pour développer tout ce qui était expression et artistique. Donc on s'est dit que le fait de fêter allait les motiver. Donc on a combiné les deux. Une motivation en travaillant avec des professionnels. La personne qui leur a fait travailler le côté artistique et expression vient du cours Florent. La prof a une grande expérience au niveau de la danse sur glace. Donc ce qui fait que là, c'était le moment. Voilà, 25 ans, ce manque d'expression, on a essayé de faire un petit combiné de tout. Et donc voilà ce que ça a donné. Une récompense. Donc habituellement, on travaille avec Samuel, qui est toujours disponible, qui essaye d'apporter énormément aux filles. Il est là régulièrement, il vient sur les cours, il les aide, il est... Maintenant, ils le connaissent, il fait partie du club à part entière. Et donc, c'était une petite surprise et une petite récompense pour eux. Ils ont pu voir ce que c'était que de travailler et ce que ça donne quand on travaille. Je l'ai trouvé très agréable, le public, très réceptif. Et apparemment, très satisfait des échos que j'ai eus là, tout de suite après le spectacle. On se retrouve pour les 50 ans alors ? Oh, sûrement. Toujours avec Samuel ?